J'ai l'honneur d'être reçu par le président ce soir. C'est déjà pour l'informer de la signature de l'accord de prêt concernant le projet de viabilisation du site et la construction de 1085 logements sociaux et économiques à Samanko. Donc cette signature a eu lieu aujourd'hui et j'ai informé le chef de l'État. Ensuite, j'ai saisi l'occasion pour faire le point de la coopération avec le Mali et informer le chef de l'État que, en ce qui concerne nos projets en exécution, tous ces projets, aussi bien les projets d'infrastructure de base, les projets de développement rural, des projets d'énergie, que tous ces projets s'exécutent très bien sur le terrain. Alors, en termes de perspective, nous avons fait le tour des dossiers qui sont en instruction et très, très rapprochés chez nous et qui doivent être soumis à nos différents conseils d'administration dans les mois à venir. Et particulièrement, nous avons parlé des voiries urbaines au niveau de Bamako, au niveau de Mopti et dans d'autres villes également. En ce qui concerne le développement rural, nous sommes en train de travailler sur la troisième phase de Molodo et sur les périmètres irrigués dans le bassin de Bani et de Silingué. En ce qui concerne l'énergie, nous sommes en train de travailler vraiment au développement des énergies renouvelables et nous avons un programme avec le Fonds vert en ce qui concerne l'électrification rurale à partir de l'énergie solaire.